5 secondes avant le départ. Le feu s'éteint et très très bon départ. Simonet, oui, tranquille avec devant Renaud Lavillenie. J'ai l'impression que le premier viol, attention là au milieu, il y a un petit embouteillage, petit contact entre Daniel et Léna. Me semble-t-il. Aurélien Rougerie prend l'intérieur. Il prend l'intérieur le long de la touche. Aurélien Rougerie qui est parti. Qui oula, pénètre crois, dans l'axe profond. Oula, mais là-bas, je crois qu'il y a, il y a des constats amiables qui vont être sortis de la boîte à gants là-bas parce que je vois des voitures qui ne sont pas dans le bon sens. Voilà. Ah non, pas dans le bon sens du tout. Alors, effectivement. Je t'avais dit, c'est des violents. Hein. Alors, nous avons Mylène Dorange qui était dans une mauvaise posture et j'ai pas vu quelle était l'autre voiture, mais il y avait deux voitures mais qui étaient plus. Un petit peu. Une voiture rouge, je me demande si c'est pas Aurélien Rougerie. Il y avait certainement la voiture Loxam de Mylène Dorange. Ouais. Mais après, j'ai pas vu. Écoute, on va contrôler qui va passer ici. On voit rien. Ouais, pas grave. Allez, les deux premiers. Eh ben, c'était les deux premiers de la grille. Voilà, ouais. Simonet et Lavillenie. Lavillenie, tout près d'attaquer Simonet. Attention, Simonet, à l'attaque de Lavillenie à l'intérieur. Ouais, ça pourrait bien le faire. Ouais, ça pourrait bien le faire. Et imagine-toi qu'Aurélien Rougerie, il est troisième. Donc, c'est pas lui. Alors, voilà, on a la voiture qui est. Voilà, c'est Mylène qui est face au talus devant le poste de commissaire. Et donc, Daniel Léna qui passe à la quatrième. Alors, c'était avec Daniel Léna qu'elle a eu le petit souci. Il a réussi à repartir, Daniel, mais il est à la quatrième et dernière place de cette finale pour l'instant, à 17 secondes de celui qui occupe la tête, c'est-à-dire notre ami Vincent Valentin Simonet. Pardon. Alors, où est passé Aurélien Rougerie ? Eh bien, il est troisième. Écoute, on va voir. Il est troisième. Il est toujours là-bas. Il a bien galopé le long de la touche. Sans mettre problème. Il n'a pas mis le pied en touche. Non, c'est bon, c'est passé. Et la bagarre devant, elle est toujours entre nos deux hommes de tête, entre Valentin Simonet et Renaud Lavillenie. L'écart est pratiquement le même. Hein. Il a repris 4 dixièmes de plus. Valentin, pour l'instant, il s'est un petit peu débarrassé de la pression de Renaud Lavillenie. Ouais, mais attention. Tu sais à quoi il pense, Lavillenie ? Dis-moi tout. Et puis, là, si j'avais une perche, je passerais au-dessus. Ben oui, mais là, c'est pas très très haut. Hein. C'est loin de son record de plus de 6 mètres. Et attention, parce que Daniel Léna est en train de se rapprocher d'Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie avec la voiture aux couleurs de Motil et Daniel Léna, la voiture aux couleurs d'Itrophée Andros. Attention. Ah ouais. Alors, drapeau jaune là-bas, on ne peut pas doubler. Non, mais c'est après, sûr, ça repart. Ça, c'est une certitude. Après, ça repart. Alors, devant, toujours la bagarre entre les deux hommes de tête, toujours séparés pratiquement du même écart. Ah, il reste. Là, c'est Aurélien Rougerie qu'on avait à l'image. Il a 3-4 longueurs d'avance sur Léna. Oui, pour l'instant, et devant, ça continue à se battre. Il est en embuscade, Renaud Lavillenie, et il se rapproche, il se met en aspiration, même s'il n'y en a pas. il est tout près, là, oui, il est tout près. Et attention, le retour. Oh là, Daniel Léna qui est à l'attaque. Daniel Léna qui prend de l'angle. Daniel Léna qui se rapproche de plus en plus d'Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie qui s'écarte à l'extérieur, ouvrant la porte à Daniel Léna. Est-ce que ça va passer dans le vitrage? Eh bien, non, il ne pourra pas, il y a drapeau jaune. Non, il ne pourra pas. C'est tout à fait exceptionnel la façon dont Renaud Lavillenie ne se laisse pas décramponner. Ah oui, mais ça, c'est. Attends. C'est génial, mais pour l'instant, il ne trouve pas l'ouverture. Non, il ne trouve pas l'ouverture, mais il est dans les basques. Ah, absolument. C'est une course monotype. Les voitures ont pratiquement toutes les mêmes performances. Il faudrait vraiment qu'il y ait une petite faute du leader. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Valentin Simonet, il arrive à tenir à distance toujours pour l'instant Renaud Lavillenie. Et regarde, Daniel Léna, il est revenu maintenant pratiquement au contact d'Aurélien Rougerie. Alors attention, parce que tout à l'heure, Elena a tenté l'intérieur là, dans le virage devant la butte du public. Est-ce qu'il va recommencer le freinage? Ah mais ce coup-ci, Aurélien, il n'a pas été à l'extérieur. Il dit, attends, tu ne m'auras pas ce coup-ci. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. C'est un très bon défenseur aussi, tu sais, Aurélien. Donc, c'est aussi tumultueux que nous le pensions. Oui. C'est peut-être l'une des finales les plus disputées qu'on ait vues jusqu'ici. Ah, attends, à part les finales moto. Je crois qu'Aurélien Rougerie a disparu. Non, il est toujours là-bas. Non, pas de souci. Allez, il reste un tour. Valentin Simonet toujours devant Renaud Lavillenie. Ah, une petite seconde. Mais attention, il se détache un petit peu, Valentin Simonet, là, sur ce dernier tour. Et derrière, eh bien, c'est toujours Aurélien Rougerie et Daniel Léna en bagarre pour la troisième et quatrième place. Eh oui, Rougerie qui sera sur le podium de cette finale. Et bravo ce qu'il fait parce qu'il résiste. Ah bah ouais. Hein. Regarde ça un peu. Ouais. Ah bah ouais, non, c'est bien. Il met plein, il attaque. Ah ouais, c'est super.
Il avait déjà participé il y a 3 ans. C'est ça. Il y a 3 ans. Mais depuis, il n'a pas conduit une voiture de Landros. Hein. Non, c'est son retour. Attention à l'attaque de Lavillenie. Le dernier virage, ouais, peut-être. Le dernier virage, c'est peut-être le virage où le Perchis va pouvoir passer devant. À la photo finish. Ah, non. Il essaye. Attention, il prend trop large. Et badaboum. Et le voilà, il a mordu. Et donc, il a mordu, laissé, refusé. Et attends. Il va terminer deuxième, Aurélien Rougerie. Ah non, peut-être pas. Ah non, peut-être pas. Ah là là, il se dépêche. Il faut faire vite pour repasser la ligne. Allez Arnaud, allez Renaud. Oui, tu finis deuxième. Il va finir deuxième. Et Aurélien, Aurélien Rougerie qui finit troisième. Oula, il nous fait même des effets. Il arrive comme une... Attention, Blanc Rougerie. Oh là là. Et ensuite, nous retrouvons à la quatrième place Daniel Hénin. J'ai cru qu'il allait tenter un donut à la Ragnotti à fond dans la ligne droite.